J'ai échoué. J'ai suivi Celebrimbor, son anneau au doigt. Nous n'avons pas vaincu Sauron. Sauron et Celebrimbor ne font plus qu'un. L'œil ardent qui surplombe Barad-dûr. Mais si vous êtes au Mordor, c'est pour les Nazgûl. Et votre tâche n'est pas terminée. Allez à Minas Morgul. Un Nazgûl se terre là-bas. Vous savez bien de qui je veux parler. Il est mort. J'ai pris le nouvel anneau et je suis partie. Il porte l'anneau des Isildur. Il appartient à Sauron maintenant. Et il vous revient. Madame, je ne peux pas. Laissez-moi rentrer. Vous porterez le nouvel anneau. Et vous achèverez votre mission. Alors, vous pourrez enfin rentrer. Ce sera fait. Les amis. Vous êtes blessé. Ma lumière vous guérit.
Vous le trouverez dans la grande salle. Ça me rappelle quelque chose. Attention à votre tête! Oh!
idiot! Plantez ta tête sur une pique! Je vais regarder mon Il a changé. Il appartient au Seigneur des Ténèbres. Votre heure a sonné, Nazgûl. Vous ne me tuerez pas deux fois! J'ai été envoyé pour vous tuer. Ça n'arrivera pas. Vous auriez dû mourir. Quel est Brimbor? C'est joué de vous, comme de moi. Thank you.
Portez l'anneau d'Isildur. Et vous, celui de Celebrimbor. Non, la terre du milieu. Vous portez l'anneau d'Isildur. Et vous, celui de Celebrimbor. Celebrimbor s'est joué de vous, comme de moi. J'ai été envoyé pour vous tuer. Ça n'arrivera pas. Non, la terre du milieu. Ah.
Gardez l'anneau d'Isildur. Et vous, celui de Celebrimbor. Vous auriez dû mourir. Celebrimbor s'est joué de vous, comme de moi. J'ai été envoyé pour vous tuer. Ça n'arrivera pas. Non, la terre du milieu. Isildur, je ne suis pas encore un Nazgûl. Arachné a vu l'avenir tel qu'il se produit. Elle a vu le grand œil sur Barad-dûr. Et aussi la nécessité d'un contre-pouvoir. Vous êtes ce contre-pouvoir ? Non. Nous le sommes. J'ai pour mission de vous tuer. Vous m'avez dit que face aux ténèbres, lutter peut être une victoire. Est-ce toujours le cas? Je crois qu'il faut contenir le Mordor et les Nazgûl. Mais combien de temps est-ce que vous pourrez lutter avant de les rejoindre? Je l'ignore. Raison de plus pour me suivre. Venez. Bien. Après la chute du roi sorcier, une attaque a été lancée sur plusieurs forteresses. Mais par qui ? Ça, c'est ce qu'il nous faudra découvrir.
Un pouvoir s'éteint, un autre s'éveille. C'est ainsi que va le Mordor. Ce fort ne peut rien contre une attaque de ghouls. Ce ne sont pas les ghouls qui me tracassent. Monseigneur, les autres forts essuient des attaques. Préparons-nous. Ça tombe vraiment très mal. En cas d'attaque, on est... fichu. Qu'est-ce qui ne va pas? Azranz est parti il y a une semaine venger son frère de sang. Avec tous ses drakes. On est sans nouvelles depuis hier, Trak. S'est fait empoisonner. Il a accusé Harissou, qui a nié être impliqué, mais... Trak, perturbé par le poison, l'a poignardé. Il est mort... vidé. C'est un miracle que vous soyez encore capable de tenir ce fort. Nous ne le tiendrons plus du tout sans renfort. Oh, je connais des orques qui pourraient nous fournir les défenses nécessaires. Ils sont... uniques. Très bien. On m'attend à la forteresse de Cerigost. Cerigost ? Maintenant, c'est vous qui portez l'anneau. Hors de question que je domine ces orques. Mais je les ramènerai. D'une façon ou d'une autre. Je ne vais pas m'ennuyer. À chaque heure qui passe, il sombre davantage dans les ténèbres. Vous m'avez envoyé tuer les Nazgûl. Je ferai le nécessaire quand le moment sera venu.
attendez. On vient ici éradiquer les affreuses araignées, et qu'est-ce qu'on trouve? Des elfes qui grouillent dans les environs! Je crois que c'est le bon feu! Laisse tomber! Faire mal! Reste là! Je ferai grand! Alimente la machine! Va crever! Oh mais non! C'est pas juste! Vous m'empêchez de parler! Juste! J'ai encore de la douleur à souffrir! Il en reste pour moi! J'ai attendu ce moment toute ma vie! Idiot! Sur le mur! Dis, montez la garde là-haut! Vous m'empêchez! Juste! Fais voir tes crêpes! Oui. Ça doit. C'est vraiment rapide. Je crois que c'est le bon moment. Je te tiens. Je vais les elfes. Il en reste pour moi. Et toi, tu l'es guéri. Je ferai gaffe si j'étais toi. Éloigne-toi.
Un orque qui bâtit au lieu de détruire? Le Mordor réserve bien des surprises. Tenez-vous prêts! Les bestioles vont débarquer! Voilà le Remuos! Si vous sauvez suffisamment d'ouvriers, vous entrerez dans ces bonnes grâces. Crève, saleté! Crève! Ah, tu as entendu parler de mon travail! Il faut protéger mes ouvriers! On a des moindres tard! L'ingénieux du clan va vous régler votre compte! Il reste rien ici pour toi! Dégage! Ah, enfin! Quelqu'un qui admire le travail que j'accomplis! Ah non, pas encore! De quel travail s'agit-il donc? Bien que la plus grande prouesse architecturale de tout le Mordor, la première du genre. Une forteresse souterraine, invulnérable à toutes les formes d'attaque. Quand on aura chassé ces saletés de gules, t'es avec moi! Disons que je ne suis pas contre. Préparez-vous pour une nouvelle moisson de gules, les gars! Les forteresses souterraines vont pousser partout. En voyant celle-là, tous les chefs suprêmes en voudront. Travail, vous parlez de lui? Baradour, fort des maraudeurs, à la machine, tournez de quoi? Pas le fort des maraudeurs, loin de la buisson. Allez, crochez de nouveaux tunnels! On va conquérir le monde souterrain, comme on a conquis. Oh non! Mes archers! C'est Arcaro qui me les a prêtés. Ça va pas lui plaire. Je vais rejouer le Remuos. Quoi? Vite, c'est plus. On va les exterminer. On laisse nos oreillers tranquilles. Juste sous nos pieds se trouve une superbe garnison. Des voûtes de toute beauté. Des centaines de morts pour les construire. En ce moment, on est au-dessus de la cour principale de la forteresse. Magnifique. Il y a une autre statue comme celle-ci. Mais plus grande. Mon chef-d'œuvre, elfe, dédié à la gloire des orques, au Mordor lui-même. Impressionnant, en effet. Tu t'es montré efficace, et comme j'ai plus d'archers, j'aurai besoin de protection. Je paye pas beaucoup, mais tu vas te couvrir de gloire avec moi. Je te prends à mon service. Je ne te décevrai pas. Thank you.
raconter pourquoi j'ai forgé. Certes, il manque de modestie, mais pas de force. Espérons-le. Le partisan de Talion dit que cet Uruk est un maître à l'arbalète. Nous verrons bien. Il n'ira jamais sa cible. Comment c'est possible? On avance. Il nous aura pas tous. Dépêchez-vous. Thank you.
temps que je cède face à vous. T'as qu'à monter le commandé. Eltariel, prenez garde quand vous lui parlerez. Ne mentionnez pas mon nom si vous voulez la voir à vos côtés. Bien compris. Je t'ai regardé tuer pour la dame. Tu n'es ni un Wook, ni une alliée de Saul. Dis-moi, est-ce que ces Uruks sont vraiment bons à quelque chose? Ils savent plutôt bien mourir. Mon nom est Mark de Morgoth, et je résiste seul au sbire de l'usurpateur depuis bien trop longtemps. Battons, côte à côte. Og! J'en ai marre de te voir massacrer tous mes gars, l'âme! Je vais mettre un terme à ta misérable existence! C'est agréable de se battre avec une archère. Comme tu n'es pas redevable à l'imposteur, tu vas te mesurer son armée à mes côtés. Comment refuser ? Morgoth était un adversaire sinistre et plein de haine.
S'il savait que l'un de ses partisans les plus loyaux finirait par collaborer avec une elfe, il serait furieux. Si je trouve ce que c'était. Ouvrez bien le. Les araignées sont d'ignobles créatures grouillantes. Leur toile enraye les machines. Alors, on va les brûler jusqu'à la toute dernière. Et tu pourrais bien te retrouver prise dans les flammes! Crève! La fausse lumière! Et à moi, toi! Hey! Oh, idiot! Tu vas le sentir! C'est magnifique! Il va le sentir passer! Voilà. Alimente-la! Apprends-moi à faire ça!
Celui-ci sert Arachné. Soyez prudente. J'ai déjà eu affaire à elle. Je ne la crains pas. Ces vaches ne vont pas me faire trancher la tête. Ensemble, d'un pompage, tu vas mourir. Mort à l'épée. On va te réduire en charpée. T'as frotté une plante sur la plaie. Personne pour te sauver. Je sais que tu es là. Montre-toi. Elles savent quel pouvoir tu détiens. Ma maîtresse sent la piqûre de sa lumière. Elle a dit que tu viendrais me voir. Tu n'as rien à craindre, Kirmizold. Je suis Ar-Baruk, et je viens te proposer mon soutien. Et que me coûtera cette offre généreuse? Des fous adeptes de la machine empiètent sur le domaine de ma maîtresse. Chasse-les donc! Entendu. Leurs machines ont besoin de minerais. Mais ma maîtresse repose sous leurs pieds. Tue-les! Afin qu'ils cessent de creuser par ici! Ils sont rapides. Attaquer ce campement tête baissée serait trop risqué. Je ne souhaite pas sacrifier ces merveilleux enfants si ce n'est pas nécessaire. Vas-y d'abord. Je... Attention, il y a trois capitaines qui gardent.
dois être l'elfe qui a tué mes deux amis. Moi, tu m'auras pas aussi facilement qu'eux. Et cette carrière n'est pas près d'être détruite. Dans l'attaque. Tous ensemble. Dans les coups. Tu vas mourir. Tu Elle est arrivée jusqu'ici. T'as rien vu venir, hein? Toute cette chair en flamme, écartez-vous. Ne vous arrêtez. Ça va faire boum. Esprit de la vie. Quel traîneur! Comment ai-je pu douter de ma maîtresse? Tu as respecté ta part du marché. Je te suivrai tant qu'elle ne m'en dissuadera pas. Son dévouement envers Arachné est remarquable. Je me demande quel sort elle lui réserve, une fois qu'il ne lui sera plus utile. L'araignée Arachné habite les grottes. Elle vit depuis longtemps, mais elle n'est pas invulnérable. Et je compte le prouver très bientôt. Attends, que je te donne un avant-goût. La machine! Je t'ai interrompu! Je suis pas un simple soldat! Laisse tomber! Je t'ai... T'as déjà essayé, ça! Tiens-toi tranquille.
La grosse araignée qui m'inquiète. L'endroit est dangereux. Pas à cause de l'araignée géante cachée dans les cavernes, mais à cause des orques de la machine venue l'exterminer.
feu dans les terres. Allez, c'est des armes. Laisse-moi te parler un peu de la machine. Elle s'arrête pas. Elle ralentit pas. Elle supporte pas les hommes. Ni les elfes. Ni les araignées. Attaquez ! Intéressante cette attaque. Tu devrais la prendre. Où tu vas comme ça? Des batailles contre nous tous. C'est un travail de qualité, l'œuvre d'un forgeron particulièrement doué.
Dans ce domaine, oui. Mais il avait ses défauts. Vous le savez mieux que personne. Tu te souviens de moi? Mon crâne se souvient très bien de notre rencontre. Tu pensais m'avoir tué, mais maintenant je souffre le martyre. Alors, pour calmer la douleur, je persécute mon prochain. Laisse-moi te montrer. L'esprit domine la matière. C'est autre chose. Les cérébrés, l'esprit de...
fois qu'on a fait le ménage. Si je te tue, à moi la promotion. Les araignées! Elles sont dans ma culotte! Oh, yeah. Elle ira pas loin! Elle est ici! Vraiment pouvoir réussir là où tant d'autres victimes ont échoué. Tu ne tueras pas si facilement. Oh non! Ça marchera plus! La fin! Je connais tes ruses! T'as oublié que je connaissais ce coup? Ne laissez pas! Je connais tes ruses! Ça marchera plus! Allez, je suis Saprama! Il lui a coupé la tête! Ça marchera plus! J'ai essayé ça! Je m'en occupe! Je connais tes ruses! Huh?
entendu ça? Du sang et de la violence! Cette saleté des vers! Oui, encore! J'adore ça! Je pourrais dire que tu vas rien sentir, mais ce serait un mensonge. Quand tu te mettras à saigner, tu sentiras absolument tout! Tu te retrouveras dans ma panse, quoi que tu sois! Mais lui a fait perdre! Arrête de frimer! Hey, c'est pas comme ça que tu m'auras! Hey, t'as plus qu'un bouillon! Belle frappe! Ça va pas! T'as les... Briser les os comme des blancs. Je vais te tuer. Tu m'auras pas avec ce bourre. J'adore ça. Enfin, un adversaire. Qu'à y voir une préparation au combat et au... Essayez de le remettre. Je te
tiens. Tu as l'air mal en point. Tu veux peut-être un petit bouillon avant que je te tranche la gorge. Ça ne marchera pas sur moi. Prends ça. Décidé à arracher. Arrête! Je ne suis pas un gobe. Je me souviens de ça. Ça ne marchera pas sur moi. Je suis trop vif pour toi. Je connais des... Endroit où j'aimerais bien le planter. Yeah.
commence à connaître tes ruses. Je m'améliore à chaque fois. Ça n'a pas marché avant. Ça ne marchera pas maintenant. Reviens ici. Et prenez-en de la graine. Encore comme ça. Et j'aime pas qu'on me fasse perdre mon temps. De la viande à déchirer. Je te vois. Je vais offrir ton cadavre. Ne bouge pas. Un adversaire de taille. Arrête de te tortiller. Frappez-la avant qu'elle vous élimine. On va prendre ton cadavre sur ma chasse.
un simple contretemps. En effet.